Shalom, shalom, shalom. Délivrez-nous du pain. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Salut, salut. Je crois que mon son est bon et que tout le monde est en train de me capter. On va décoller tout à l'heure. Salut, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te proclamons. Puissance et ta sainte majesté. Libère-nous et que ta puissance que ta puissance puissance et sans. T'adorer, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Entrez dans le live maintenant. Commencez à le partager. Nous sommes là. 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 J'espère que tout le monde est en train de me capter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. J'espère que tout le monde est en train de me capter. Que Dieu soit loué pour chacun de vous et chacun de nous. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, nous rendons grâce à Dieu pour le souffle, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous sommes aujourd'hui en train de courir, nous avons prié avec vous durant un moment, c'est depuis le 1er février que nous sommes en train de prier ensemble et le thème que nous sommes en train de partager, c'est sur Amalek. Nous bénissons le Seigneur parce que tous les jours, nous avons au moins un sujet pour lequel avec lequel nous entrons dans la présence de Dieu afin de chercher la face de Dieu. Ah, ok. Quelqu'un me dit, bonjour prophète, en tout cas, je pensais qu'après porte des cieux, il serait fatigué, mais il est là. Ah, voilà, ok. Dieu vous bénisse. Donc, voilà. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir combiner deux moments de prière comme ça. Et que mon corps a aussi besoin par moment de prendre un petit repos. Nous avons pris un engagement de prier ensemble. Je voulais prier avec vous, peut-être pas pendant longtemps, mais le vœu de mon cœur est que nous prions ensemble et que Dieu nous fasse du bien.
Ce que nous allons faire, c'est comme d'habitude, commençons à partager, commençons à partager, à partager, à partager ce live, à le partager vraiment, afin que nous puissions commencer, commencer. Voilà. Rendons grâce à Dieu. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui encore. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux de prier. C'est merveilleux de chercher sa face. Que Dieu nous restaure et qu'il nous bénisse pour cette journée. Je viens de passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de son. Chez moi, il y a le son. Alors, je pense que chez moi, il y a le son. J'espère que tout le monde est en train de me suivre. Je disais que je viens de passer un moment merveilleux à la porte des cieux avec le prophète Joël Francis. Nous avons passé un temps de prière. Peut-être que vous avez été avec nous, vous avez prié avec nous, mais là aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir partager. On me dit que le son n'est pas bon, on me dit que le son n'est pas bon. Je veux être sûr que tout le monde est en train de me capter et nous allons commencer la prière. Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Okay. Il y en a qui me disent que le son est bon. Il y en a qui me disent que le son est bon. Il y en a qui me disent que ça bug. Et donc, je voudrais être sûr que tout le monde est en train d'avoir un bon son. Tout le monde est en train d'avoir un bon son. Voilà, je commence. Le son est bon. Le son est bon. Le son est bon. Il y a des échos et ça crache. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec essayer de vous de sortir du live et de rentrer, s'il vous plaît? Maman Adèle dit que c'est bon. On dit que ce n'est pas comme d'habitude. Maman Mignon dit que la connexion n'est pas bonne. On dit que ça va mieux maintenant. On dit que c'est bon. On dit que ça bug un peu. On dit que c'est bon. Voilà. Peut-être qu'on a un souci avec Facebook. Alors, que Dieu vous bénisse. Donc, partageons, partageons, partageons ce live de ce soir et que Dieu nous bénisse abondamment. Vous êtes déjà au-delà de 700. Donc, partageons, invitons les autres. Maman Sabine dit que c'est beaucoup mieux maintenant, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je pense qu'on a un problème de connexion. Il y en a qui sont à 3 sur 5. Papa panique. OK. Nous allons décoller et que Dieu soit avec nous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères, aux sœurs, aux servants de Dieu. Bonsoir. À vous tous, nous rendons grâce à Dieu pour chacun de vous. Nous sommes cette semaine en train de partager sur la troisième caractéristique d'Amalek. Nous sommes en train de partager sur la troisième caractéristique d'Amalek. Nous sommes dans Exode, je prends ma Bible. Nous sommes dans Exode au chapitre 25.
Excusez-moi, nous sommes dans Deutéronome au chapitre 25. Nous commençons par le verset 17. Souviens-toi d'Amalek pendant la route. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, Deutéronome 25, comment il te rencontra? C'est pas Exode, c'est Deutéronome 25. La Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu. Nous sommes en train de partager, tomba sur toi par derrière. Ça, on a vu la fois passée. Et depuis hier, nous sommes en train de parler sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Nous avons vu ensemble que quand Israël était en train de sortir, il y a eu une catégorie des gens qui a été la plus attaquée par Amalek. C'est cette catégorie que nous étions en train de partager depuis hier. C'est quelle catégorie des gens? La Bible dit ceux qui traînaient les pas, ceux qui venaient par derrière. Et nous avons étudié ensemble depuis hier quels sont les caractères, quels sont les genres des personnes qui pouvaient être derrière. Nous avons vu ensemble que sûrement derrière, il y avait des femmes enceintes. Il y avait des malades, il y avait des handicapés, il y avait des personnes fatiguées, mais nous avons vu également qu'il y avait des enfants. Parce que naturellement, les enfants ne peuvent pas prendre la même vitesse que les adultes. Et nous étions maintenant en train d'étudier ensemble. Hier, nous avons parlé au sujet des enfants. J'ai commencé par vous dire que l'un des combats qui est dirigé vers les hommes quand ils sont attaqués par le diable, c'est des combats dirigés vers les enfants. La plupart des fois. Quand un homme, quand une femme est attaquée par l'ennemi va tout faire pour que cette attaque se répercute également sur les enfants. Et nous avons étudié ensemble, nous avons étudié. Amen. Nous avons étudié ensemble le cas de Job. C'est là que je vous ai dit que Job, par exemple, était une personne qui aimait le Seigneur, qui craignait le Seigneur, qui servait le Seigneur. Mais quand le diable a commencé à le combattre, parmi les combats qu'il a dirigés contre sa vie, c'était aussi pour le déstabiliser et que ses enfants soient victimes. Je vous ai dit, nous allons commencer à parler d'abord de la première catégorie. Hier, j'étais en train de vous dire que pour vous affaiblir, des enfants, vous devez avoir la culture de prier OK, que fait le sort? Que fait le sort? Amen.
Bien-aimés, j'espère que le son est en train d'être normal. Est-ce que j'ai un son normal maintenant? J'attends que vous me confirmez si le son est maintenant normal. Voilà, on me demande de l'augmenter. Je vais encore essayer. Voilà, je l'ai encore augmenté. Est-ce que vous pouvez me saisir maintenant? Voilà, est-ce que mon volume est bon? Est-ce que mon volume est bon maintenant? D'accord. Alors. Voilà. Et donc, je voulais que nous puissions comprendre que nous devons prier pour notre progéniture. Nous devons prier pour notre progéniture. Nous devons prier pour notre progéniture. Que nous les ayons, que nous ne les ayons pas. Nous devons prier pour notre progéniture. Pourquoi nous devons prier pour la progéniture? C'est parce que soyez conscients que Amalek les recherche. Amalek ne combat pas les personnes fortes. Amalek ne combat pas ceux qui sont devant. Amalek combat la progéniture, ceux qui sont derrière. Et hier, nous avons vu que quand nous commençons à prier pour notre progéniture, nous devons prier pour leur protection. Nous devons prier pour leur protection. J'espère que le son est bon maintenant et que nous pouvons, par la grâce de Dieu, continuer avec vous tous. J'espère que le son est bon maintenant et que nous pouvons repartager le live à ceux qui n'étaient pas connectés, et nous allons décoller avec eux ensemble, directement. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on prie pour notre progéniture. Le premier sujet de prière, hier, nous avons prié pour que Dieu puisse protéger notre progéniture. Que Dieu puisse protéger notre progéniture. Aujourd'hui, je vais vous dire la deuxième manière de prier pour la progéniture. Prier pour la progéniture. Genèse. Genèse chapitre 49. Nous allons lire ensemble le verset 28. Genèse chapitre 49. Par la grâce de Dieu, nous voulons lire le verset 28.
Genèse chapitre 49, nous allons lire le verset 28. La Bible déclare, ce sont là ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que dit leur père en les bénissant. Et la Bible déclare, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Merci de commencer à partager ce programme béni. Et nous allons entrer dans la gloire maintenant. J'ai reçu mon neveu qui a un sérieux problème au niveau du rein gauche. Il a subi une deuxième opération depuis le mois de novembre et depuis, ça ne cesse de sortir. Seigneur, je prie pour le neveu de notre sœur et que Dieu lui fasse grâce. Genèse chapitre 48, verset 28. Voilà comment Jacob a prié pour ses enfants. Au-delà de demander la protection divine, la Bible déclare, Jacob a béni ses enfants et il les a bénis chacun selon sa bénédiction. Une autre manière de prier pour sa progéniture, c'est de souvent bénir par sa propre bouche les enfants. Les enfants spirituels, les enfants avec lesquels nous travaillons dans le ministère, les enfants avec lesquels nous travaillons dans la politique, les enfants que nous avons adoptés, les enfants que nous avons pris dans le business. L'une des manières de provoquer la bénédiction de Dieu et de prier pour sa progéniture, c'est de libérer la bénédiction de Dieu. Je vais commencer maintenant. Je vais commencer maintenant à parler de ces choses. Libérez régulièrement la bénédiction de Dieu sur votre progéniture. Que vous ayez ces enfants, que vous ne les ayez pas encore, qu'ils soient arrivés, qu'ils ne soient pas encore arrivés, ayez la culture de bénir sa progéniture. Voilà comment Jacob a prié, il a appelé ses enfants et il a commencé à les bénir un à un. La Bible dit, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Beaucoup de parents disent des bonnes choses de leurs enfants. Mon enfant sera intelligent, mon enfant sera bien, mon enfant. Il y a une différence entre des souhaits que nous faisons et la bénédiction que nous libérons. Les souhaits, tout le monde peut les faire. D'ailleurs, pas plus tard que le mois passé, nous avons fait des souhaits extraordinaires sur 2021. Nous avons dit aux gens que vous serez bénis. Nous avons dit aux gens que cette année doit être une année de paix, de bonheur, de réussite, de gloire pour chacun de vous. Et les gens ont écouté les souhaits. Les souhaits, c'est ce que nous disons. Nous disons, mais la différence avec la bénédiction, c'est que la bénédiction, c'est des paroles que nous libérons, mais dans la présence de Dieu. Des paroles que nous libérons dans la présence de Dieu. Des paroles que nous libérons dans la prière, des paroles positives que nous libérons dans la prière. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Je suis en train d'enseigner que trois personnes ont le pouvoir de libérer la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Trois personnes.
La première personne, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir de libérer la bénédiction. Voilà pourquoi, maman, voilà pourquoi, papa, quand vous avez, j'aime Ish qui dit, je bénis mes enfants en toutes choses, mes enfants sont couverts par le sang de Jésus, Evangélie, Roméo, voilà. Maintenant, les souhaits, nous le faisons tous, comme là, je souhaite que, vous, je peux même le dire, je souhaite que après cela, vous avez une vie paisible, c'est un souhait. Mais la bénédiction, c'est quand je dis votre nuit sera paisible au nom de Jésus, parce que je crois et je le libère par la foi dans la présence de Dieu. Je veux vous partager un des secrets des personnes qui ont réussi. C'est des personnes qui ont appris à libérer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Quand Jacob arrive à la fin de sa vie, il appelle ses enfants, il ne leur donne pas des conseils, il ne leur donne pas des conseils en leur disant, quand je vais mourir, soyez bien, soyez bien, soyez bien. Il ne leur donne pas d'abord un testament en leur disant, quand je vais mourir, je vous ai laissé telle chose, je vous ai laissé telle maison, je vous ai laissé autant d'argent dans le compte. Non, non, non. Jacob comprend que c'est vrai que mes enfants peuvent avoir besoin d'argent, peuvent avoir besoin d'un testament, mais ce qui est important, c'est que moi, je libère la bénédiction de Dieu. Je disais, l'homme de Dieu a le pouvoir de libérer la bénédiction. À part l'homme de Dieu qui peut libérer la bénédiction de Dieu, toi-même, tu peux libérer la bénédiction sur ta propre vie. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, apprenez à emmener vos enfants auprès des serviteurs des dieux vrais, sincères, sérieux, qui puissent prier pour eux. C'est la première chose. Allez, quand vous avez l'opportunité, vous avez l'opportunité de rencontrer le pasteur, quand vous avez l'opportunité de rencontrer ce serviteur de Dieu avec lequel vous priez, quand vous avez besoin d'être dans votre groupe, même si vous n'en avez pas encore, n'oubliez jamais de demander qu'on prie pour vous et qu'on prie pour votre progéniture. Première chose. Mais la deuxième personne qui peut libérer la bénédiction de Dieu, c'est la personne elle-même. Voilà pourquoi faites un grand effort d'apprendre aux enfants à déclarer des paroles dans la présence de Dieu. Apprenez à vos enfants quand ils se réveillent le matin qu'ils déclarent, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Je réussirai, je serai le premier de ma classe, la tête et non la queue, au nom de Jésus. Apprenez-leur à libérer la parole. Apprenez-leur à déclarer. Apprenez-leur à libérer la parole. Apprenez-leur à libérer la parole de bénédiction sur leur propre vie. Parce que, comme vous le savez, comme vous le savez, il faut que les enfants eux-mêmes apprennent à libérer cela. Je serai intelligent, je serai béni, je vais prospérer, je vais aller de l'avant, je vivrai des grands miracles, je ferai des grands prodiges. Priez régulièrement avec vos enfants. Alors, la troisième chose, c'est que les parents ou les responsables sur lesquels Dieu a établi les enfants ont aussi un grand rôle à jouer. Ont aussi un grand rôle à jouer. Voilà, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas encore le son.
Il y en a qui me disent qu'ils ont une faim. On va y aller comme ça. Les parents, tous les responsables, vous, les tantes, les oncles, toutes ces personnes qui tournent autour de vous, même vous qui n'avez pas encore d'enfants, parce que Dieu vous les donnera, même si ça va faire 10 ans, 8 ans, 6 mois, 2 semaines, mais Dieu finira par vous donner des enfants. Alors, n'attendez pas que quelqu'un les bénisse à votre place. Je disais, n'attendez pas que quelqu'un les bénisse à votre place. Bénissez-les vous-même. Bénissez-les vous-même. Bénissez-les. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous levez, bien aimé. J'ai déjà entendu une femme, je vais vous expliquer. L'une des manières de pouvoir prendre quelqu'un dans le monde spirituel, c'est de déclarer une parole, pas seulement sur le plan spirituel, mais même dans le monde physique. Vous allez voir quelqu'un qui arrive chez vous, mais qui dit directement, cet enfant ne sera jamais intelligent. Vous devez le refuser. Dès que vous entendez qu'il y a quelqu'un qui a déclaré une mauvaise parole contre votre enfant, contre votre maternité, oh, je sens comme si votre enfant va grandir anormalement. Pourquoi? Vous savez, l'un des pièges de la sorcellerie, c'est quelqu'un vient chez vous comme un blagueur, il libère une mauvaise parole. Et le but, c'est que cette mauvaise parole s'accomplisse. Mais si vous êtes un parent qui ne fait pas attention, vous risquez de le laisser déclarer des choses qui vont les détruire. Ayez l'habitude non seulement de les bénir, mais de refuser immédiatement toutes mauvaises paroles qui sont déclarées contre eux. Toutes mauvaises paroles qui sont déclarées contre vos enfants, ayez le courage de les refuser. Et le courage de dire, oh non, 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 je refuse cette mauvaise parole que tu es en train de dire sur mes enfants, elle ne s'accomplira pas. Et l'habitude de dire, je refuse la mort dans la vie de mes enfants, elle n'aura pas le dessus. Déclarer et refuser. Refuser certaines mauvaises paroles. La foi pour vous-même. Libérez aussi les bonnes paroles sur les enfants. Libérez les bonnes paroles sur leur mariage. Il y a des gens, si nos parents avaient appris ces choses depuis des années, peut-être qu'ils nous auraient épargné de certaines batailles que nous avons eues à connaître dans la vie. Amalek cherche nos enfants. Amalek veut détruire nos enfants. Amalek veut tuer nos enfants. Et c'est nous qui devons assurer la protection spirituelle de nos enfants. Mais comment le faire? Ayez la sensibilité spirituelle de libérer les bénédictions sur les vies de vos enfants spirituels, vos enfants dans le droit, vos enfants sur le plan professionnel.
vos enfants, peut-être dans la médecine, les bénir sur eux des bénédictions. C'est une manière de les protéger. Vous allez remarquer, vous allez remarquer. Voilà pourquoi que Dieu bénisse toutes ces personnes qui font un travail extraordinaire auprès des orphelins et auprès des orphelines. Je disais que Dieu bénisse toutes les personnes qui font un travail auprès des orphelins et des orphelines. Je vais vous expliquer quelque chose. Les parents sont le parapluie qui couvre les enfants. Je répète, les parents sont ce parapluie qui couvre les enfants. Partagez ce live, partagez-le s'il vous plaît. Je sais qu'il y a encore un problème de réseau, de son et tout ça, mais partagez-le pour que nous bénissions ces personnes à qui Dieu donnera la responsabilité plus tard, peut-être maintenant, et ceux à qui il a déjà donné la responsabilité d'avoir des enfants. Libérez la bénédiction de Dieu sur chacun d'eux. Alors, j'ai tant de dire. Libérez-la, déclarez, mes enfants sont sous le sang de Jésus. Mes enfants seront vainqueurs. Aucun combat de la famille paternelle n'aura des effets sur eux. Aucun combat de la famille maternelle. Déclarez-le régulièrement. Vous le faites aujourd'hui, ça ne tient pas, faites-le demain. Ça ne tient pas, faites-le après-demain. Ça ne tient pas, faites-le encore. Parce que ce que vous êtes en train de faire va produire. Bien-aimés, libérez l'atmosphère de la vie de vos enfants. Amalek les cherche. Amalek les cherche. Amalek les cherche. Nous allons faire. Comment nous allons faire? Faisons comme Jacob, bénissons-les tout le temps. Seigneur, mes enfants sont bénis. Mes enfants vont prospérer. Mes enfants iront de là. Bénissons-les tout le temps. Amalek n'aura pas mes enfants. Amalek ne touchera pas mes enfants. Amalek n'enterrera pas mes enfants. Aucun d'eux ne sera enterré par le cancer, par les tumeurs, par... ne seront pas enterrés dans leur jeunesse. Je refuse. Faites régulièrement des prières comme ça. Vous allez vous rendre compte que vous allez vivre la bénédiction de Dieu. Alors aujourd'hui, je sens que l'Internet a beaucoup de problèmes, même chez moi. Je voudrais vous demander, dans les quelques minutes, que chacun prenne le temps de prier pour les enfants maintenant. Chacun va prier seul, mais que personne ne prenne moins de 10 minutes. Il est 22 h, 2 minutes chez nous, 23 h chez les autres, 2 h du matin chez les autres, il est 16 h chez les autres. Je voudrais que chacun prenne 10 minutes, 10 minutes. Comme l'Internet nous pose problème, nous allons revenir sur ce cas de prière demain. Mais que chacun prenne 10 minutes, 10, où il sera en train de prier pour les enfants adoptés.
Même les enfants que vous avez adoptés, Dieu a voulu, même les enfants de vos frères qui vivent sous votre toit, c'est vous qui les prenez en charge. Prenons 10 minutes où chacun va prier pour les enfants. Voilà, je peux déclarer et demain je vais devoir continuer cet enseignement. Je sens que l'Internet est en train de bouger, bouger, bouger. Alors, je ne voudrais pas que nous puissions, pendant la prière, avoir des problèmes. Prends juste 10 minutes au cours desquelles tu seras en train de déclarer que Amalek, Amalek, Amalek ne touche à aucun de mes enfants. Voilà le sujet de prière. On va y aller comme ça. Et cette semaine, nous allons prier beaucoup pour les enfants. Nous allons faire beaucoup de prières. Je vais vous conduire dans des moments de très fortes prières et le Seigneur nous fera énormément de bien. Énormément de bien. Je voudrais juste vous demander de prendre 10 minutes de prière où chacun va prier pour ses enfants, ses neveux, ses nièces et les recommander à la grâce de Dieu. Après ces 10 minutes de prière, demander encore la protection divine. Pour cette année, demandons la protection divine. Et c'est ainsi que nous allons d'abord arrêter ce moment de prière. Et chacun de nous va prier lui-même. Chacun de nous va prier lui-même. Et à la fin, que Dieu nous bénisse et il nous fasse du bien. Demain, nous reprenons ce sujet parce que, comme je l'ai dit, toute cette semaine, nous sommes d'abord en train de prier pour les enfants, la maternité, les personnes qui manquent les enfants. Ce sera des grands moments de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je prends mes 10 minutes maintenant pour prier. Faites-le de tout cœur et que Dieu nous bénisse, nous garde et nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.